Yo YouTube! Aujourd'hui, on vous propose une vidéo en deux parties. Tout d'abord, peut-être une victoire, peut-être pas. Et en deuxième partie, un massacre à plus de 20 kills. Je laisse regarder. Tout s'est passé avec la Well Gun. Vous allez halluciner à quel point elle est forte. Bon visionnage, likez, commentez. Et surtout, code CHOH1 pour soutenir en créateur. C'est le début de saison. Bisous. Non, vous savez, les 6 ans de la chaîne, ils arrivent là, les gars. C'est dans 15 jours. Hein. Et genre, je serais vraiment un mauvais streamer si je vous prévoyais pas une bête de surprise, tu vois. Donc j'ai une idée, chat. Une idée qui va probablement me faire mourir, tu vois. Mais genre vraiment, tu vois. Genre, je pense que je verrai la mort, je l'embrasserai, je reviendrai, je la reverrai. Et je reviendrai probablement vers vous, tu vois. Oh merde. Et pourquoi j'ai pas d'armes de mon côté à chaque fois, sans déconner? Ah, j'aime pas m'énerver, chat, mais à chaque fois que j'atterris, l'arme, elle est de l'autre côté. Donc je vais spawn de l'autre côté. Quand je vais spawn de l'autre côté, elle sera de l'autre côté. Du coup, pourquoi est-ce que je vais spawn de l'autre côté si je sais qu'elle sera de l'autre côté? Ça me casse les couilles. Mais genre, il est juste là, le... T'as pas lancé l'hélicoptère et t'as pas sauté, pareil. Alors toi, t'es un fils de pute, comme on en fait plus. Loïc. Loïc. Moi, c'est Loïc. Et je t'aime bien, chaud. Je te regarde quand je suis sous la douche. Et je me... Non, mais sans déconner, connard de Loïc, il a... Je suis sûr qu'il a vu que j'avais atterri dans le coin et... Il a pris l'hélicoptère et juste, il l'a foutu en l'air. Merci beaucoup pour les subs, les gars. Et... Oh putain, Faya! Merci pour les 5 subs gifts, toi aussi, mec. Oui. On m'appelle Oreille Tendue. Pourquoi Oreille Tendue? Car quand je tends l'oreille, j'entends les ennemis. Oreille Tendue est mon nouveau nom. Oreille Tendue l'a entendu. Connard. Connard. Cadeau de la part d'Oreille Tendue. Il est mort. Qu'est-ce qu'il en pense, Baptiste? Toujours la même chose. Finir mon café, frérot. Sinon, on pourra pas acheter la maison à 1 million. Sinon, on pourra pas acheter la maison. Putain. Bon, allez, on descend. On va chasser, chat, encore. Il était pas marqué sur le radar. What the fuck? Il est bizarre. Mélodie? Mélodie! Lol, je m'appelle aussi Mélodie. Tout. Un jour, j'ai pas réussi à manger deux riz, du coup, je me suis mis... Ah, oh putain, non. Il faut jamais commencer une phrase par je me suis mis, tu vois. Ça peut que mal tourner la suite. Du coup, chers ultras, chers ultrates, YouTube aussi, parce que je sais que cette game va bien se passer. J'ai fait une méta d'une nouvelle arme, du coup le Well Gun. Et ce qui marche extrêmement bien avec les armes de Vanguard, j'ai remarqué, c'est le fait de ne pas avoir à viser. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne de ouf. Je vous montre un exemple, il y a un ennemi là. T'as l'impression que le feu il est un peu... Alors c'est la première méta que je fais avec, donc
font un peu de tolérance quand même. Mais lors d'un fight au corps à corps, dans une maison, t'auras pas besoin de viser. Juste tu hipfire. Et le fait de pouvoir hipfire, c'est le fait de pouvoir garder ses déplacements en même temps qu'on tire, tu vois. Tu tires, tu te déplaces à fond. Et juste ça, ça c'est insane, tu vois. Ok, tu vas où, mon gars? Tu vas te cacher là-dedans? Alors là-dedans, il y a une première pièce. Tu vas la passer. Vu à quelle allure tu vas, je serai là avant toi. Putain, peut-être qu'en visant, elle marche bien. Enfin, sans viser, elle marche bien. Mais en visant, elle marche encore mieux. Vous avez vu ce qu'il a pris? En termes de recul, si je compense pas... Si on compense... Ok? Donc ça, c'est très correct. On est sur quelque chose de très très correct, chat. Cette arme-là, celle que je tiens dans les mains, les gars, je vais vous mettre la classe directement après. Pour que vous puissiez y avoir accès. Pour... sincèrement, pour moi, je l'ai déjà quasiment équipée comme il faut. Elle a l'air plus puissante que la MP40, tout aussi légère. Elle va pas recevoir de nerf vu qu'elle vient tout juste d'être là. Enfin, elle a tout pour être l'arme la plus forte du jeu pour les deux prochaines semaines. Rase bon là, je pense que c'est le sniper qui essaie de me mettre des headshots depuis tout à l'heure. Enfin, là, par contre, je vais me balader avec le bouclier parce que je suis pas super sécure. Hein. Oh là là, tu... La taille du rat, les gars. Toi, c'est ça que je vous dis. Y a pas besoin de viser, les gars, avec mon arme. C'est génial ou pas? Je pense que je peux au moins faire 14 kills. Même si ça tombe plus rapidement que ça ne devrait. Il cheat, lui. Ah, c'était encore Big M. Big Merde, j'aime bien l'appeler, moi. Je sais pas, je crois que c'est un Irlandais qui joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Yannou, Yannou, dans son Yannou. Se balader avec des Yannou. Yannou, Yannou, Yannou. Yannou, Yannou, Yannou. Yannou, Yannou. Yannou. Il se dit que viser, c'est tricher. Yannou. Bon, je l'ai tué. 6 spectateurs, faut leur faire passer un message. 2 phalanges dans votre chibre. À l'intérieur. Je suis content parce que je... On peut pas mettre sur YouTube des games en dessous de 14 kills. Enfin, ça fait un peu... Ça la fout mal. Bonjour, moi c'est... Oh. Nique ta mère, c'est pas moi qui... Oh, et merde. Backup, right now. Ah. 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 Oh.
pardon. Je t'en ai mimé un combat. T'as changé ton mode de jeu? Oui, c'est bon, c'est fini, Vanguard. Vanguard Royal a chié. Ah, pas dans la bouche. Neuf spectateurs. On dirait qu'il cheat le mec. Hein. Et merde, c'est moi. Range ton doigt, range ton doigt. Tu me dis si tu la reçois. Il reste que des fantômes. Yannou, yannou. J'aime pas trop ma position. Je vais aller prendre la voiture. Oh, su 5 sur 5. Tango Romeo Zulu, il s'est bien pris la frappe. On se tire. Ah, est-ce qu'il y a pas un pangolin dans les herbes? Mais non, une grenade. Qui osa faire ça? C'est toi? Quel trash. Quel trash ce joueur. C'est moi. Là. Là. T'as plus de balles bientôt. Je peux le sentir. Je te sens tout mou, frérot. Ah 10h59, seulement 51 minutes après la nouvelle saison qu'il découvre. Il gagne sa première game à 19 kills. Y a-t-il personne pour être meilleur que moi? J'ai utilisé le code CHOACHIAN dans la boutique. Je crois que c'est ça qui m'a aidé. Je vous présente la classe. Si vous voulez vous aussi l'utiliser pour vous déplacer rapidement, il y a des spécificités qui sont vraiment à moi par rapport à, aux atouts. Ça, vous pouvez le changer. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Mais tout le reste, j'ai l'impression que c'est une classe, c'est une bonne classe. Elle est passée où? Tu temporises? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'attends un retour du live ou quoi? Connard. Vous avez vu ce mec Il a glissé. Il y a une nouvelle arme qui est sortie, la well gun, enfin bref. C'est une petite PM où t'as pas besoin de viser. Je l'ai équipée, elle est sympa. Et je te propose cette arme ou une game au sniper. Qu'est-ce que il te fait kiffer? Merci Guiz pour les 5 mois.
Vas-y, la PM. Ah, t'es curieux. Je suis un génie. Kobe. Les modos, envoyez slip à Didier. Ah, tu as vu le mec là-bas, Dédé? Il y a un mec là devant. Regarde. Je te montre un exemple, frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, je vais quand même aller voir 2-3 mecs avant, tu vois, mais... C'est n'importe quoi. Et frérot, elle vient de sortir. Je l'ai équipée comme je le pensais. Direct, parfaite. Je me suis dit... C'est un peu comme toi quand tu choisis des chaussures, tu vois. Tu mets le lacet, tu rentres sur le terrain, 10 minutes après, tu fous la retournée, tu vois. Same énergie, frérot. Est-ce que toute la journée, je vais faire que gagner et me faire chier? Oh. J'appuie sur le bouton pour m'allonger, les gars, ça veut pas. En fait, j'étais pas censé rester devant comme un pigeon, là. Il va sûrement vouloir prendre la hauteur pour me tirer dessus. En mode, je t'ai knock une fois, je te domine. Mais t'es sérieux? Moi, je te crame. Tu le vois celui-là ou tu le vois pas? Connard. Ouais, passe à travers maintenant les balles. Parce qu'il était low HP, les balles passaient à travers. Les gars, il devait avoir 1 HP. Et pour pas que je puisse le tuer parce que ça doit être un niveau 5, les balles passaient à travers. Ah, ça rend ouf. Je sais que c'est pas bien de jouer avec les gens, les gars, de les faire souffrir. J'aime trop ça. En plus, je peux m'amuser avec des vrais véhicules et tout, enfin... Là, c'est... En fait, là, de pouvoir jouer avec, avec des vrais véhicules qui avancent et tout, c'est... C'est un peu le retour du plaisir, tu vois. Il fait quoi? Il est parti? T'es en feu, frérot, tu vas faire quoi? Mais non, BZH Jérôme. On va aller choper le fantôme, les gars. Comme quand on sort pour aller choper du shit. C'est bon. Trop de boulettes dans le survêt. Arrête. Bon, sûrement que ça va le tuer. J'ai pas besoin vraiment de voir les gens pour les tuer. Putain, ça l'aurait tué, ça aurait été incroyable. Ah, je le vois en plus. Dites-lui coucou. Il était à la fenêtre. J'arrive avec Baptiste. Attention.
Frère de chat. Fais chier. Putain, pile quand j'ai balancé la termite, c'est là qu'il la décale. Regarde, râle cet instinct. L'instinct de la termite, ça s'est joué à une demi-seconde. C'est pas grave, on va y retourner. Là, le mec, il va arriver pile en face de moi, je vais le désosser. Ce qui va se passer, c'est que je vais retourner sur mon truc. Je vais récupérer mon arme, il va sortir. Sauf que cette fois-ci, je vais pas lui laisser m'enlever une seule plaque, je vais le désosser. Attends. Bon, j'ai dit que j'allais pas te laisser m'enlever une seule plaque et que j'allais te défoncer. Je vais tenir parole. Il y avait une clé mort dans le truc. T'es un putain de fils de pute. Quelle ordure, sans déconner. Tu m'étonnes qu'il était dans un état un peu serein, tu vois, de pas bouger. Allez, le jeu, j'aime bien escalader ton truc. Vous voyez ce qu'il fait, ce mec, là, les gars? Ce mec, il est caché avec probablement une visu directe sur le shop. Et en gros, il attend que l'un de nous aille sur le shop. Pour le tuer. Malin le pangolais, hein. Lol, je viens de tilter un truc. Ok, il doit courir avec le gaz. Il sait que je suis ici. Donc, ce qu'il va vouloir faire, c'est une diagonale. Il va probablement arriver là devant moi. Bientôt. Et lui, son but, c'est esquiver les fights. Voilà. C'est un joueur... C'est un joueur eunuque, les gars. En fait, quand il était petit, il est tombé sur la selle du vélo, un Rottweiler lui a mangé les deux boules, tu vois, c'est ce genre de choses. Et on arrive à les reconnaître, ils ont une odeur, parce que j'ai déjà 21 kills, il reste 15 personnes. Vous comme moi, vous savez que je vais gagner ce game avec probablement 25 ou 26 kills. Personne l'a encore fait, mais vous le verrez chez personne directement. Tu fais exprès de tirer avec du délai ou ça t'amuse? Vous avez vu ce qu'il a fait? Bon. C'était un fight super intense et j'ai eu beaucoup de doutes sur est-ce que j'allais gagner, est-ce que j'allais perdre. Pourquoi est-ce qu'il y a une voiture qui circule exactement comme moi je fais mes moves? Elle m'est passée entre les patounes! Les grosses patounes à Yanou, elles l'ont sauvée! Les grosses patounes à Yanou, elles l'ont sauvé. Les grosses patounes à Yanou. Ah, c'est malin ça Yanou, c'est malin. C'était bien trop malin pour lui. Yanou, Yanou, Yanou. Yanou. Yanou.
voiture est belle. Hein. Chouette voiture, ça. D'ailleurs, quelqu'un allongé là-dedans à tous les coups. Eh, hey, frérot. Jean Viande. Jean Viande, il s'appelait. Moi, je m'appelle Jean Fonce. Et Chio, comment tu vois à travers les murs? Ah, en vrai, c'est un peu bizarre, je suis d'accord avec vous. Oh non. Je suis mort comme ça. Parce que si je me réanime pas, j'ai une chance. Ça, c'est fou. En fait, je suis parti du... Non ! Yannou, Yannou, Yannou ! Oh, il était sur le bord. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué de sa part. Je mise qu'il a 5 kills. 4 ou 5. Grand maximum. 3, 4, 4, 4, 4, 4, 6 ! Pff, il cheat. Niveau 500, arme en diamant, 6 kills. C'est ça qu'on aime voir, les gars. C'est le beau jeu. Moi, j'en avais 24. Oh, Didier, t'es là? Oh, Didier!